pêcher du poisson, la zigue zon, zin, zon. Fort et des profonds, je suis collé à fond, la zigue zon, zin, zon. Fille en haut, fille en bas, fille, 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 femme, 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 femme. Si puis la bottine, tine, tine, rigolait, ah. Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, des mâles. Son petit porte-clé tout rouillé, tout rouillé. Son petit porte-clé tout rouillé, des mâles. La fontaine éprouvante, je me suis coulé à fond, les îles en saison. La fontaine éprouvante, je me suis coulé à fond, les îles en saison. Par ici tu le passes, toi qui avais. Marie-Londonbé,
Sugar Crush, bonjour, bienvenue à l'émission Court Circuit. Bonjour, merci. Alors, ça fait longtemps que vous roulez votre boss, mais moi j'avoue qu'avant Sugar Crush, vous connaissez surtout comme Bijou Hansen. Et je ne peux pas m'empêcher de commencer par cette question qu'on doit très souvent vous poser. Pourquoi ce changement de nom et puis pourquoi avoir choisi Sugar Crush? Bien, on a vraiment comme pris un virage, je pense, dans le style musical. Bijou Hansen, c'est comme si on essayait on avait comme une carapace qu'on voulait être deux filles, on dirait, gentilles, qui jouaient de la musique folk. Parfait. Oui, je sais pas pourquoi on avait comme cette barrière-là. Puis tout ça a commencé un soir après un spectacle, justement, à la Place des Arts à Montréal. Puis notre agent est venu avec nous dans un bar karaoké. Puis il nous trouvait, on était dans un bar karaoké, on n'est pas arrêtable. Puis on était vraiment super motivés. Puis là, il disait, mon Dieu, vous êtes donc belle fun, tu sais, vous êtes drôle. Puis il dit, comme moi, je préfère cette personnalité-là qui était la nôtre, dans le fond, tu sais. Puis il disait, pourquoi vous mettez cette barrière-là d'être juste deux filles à vouloir être parfaites, puis être parfaite, c'est tellement pas le fun, c'est tellement désagréable. On veut du croustillon. Exactement, puis c'est tellement pas nous-mêmes. Puis écoute, moi, je suis parfaite, pas Marseille, mais. Puis c'est comme un peu de ça que c'est parti. Donc le producteur avec qui on a travaillé, André Papanicolaou, nous donnait comme des défis aussi dans les textes. Par exemple, on a une chanson qui s'appelle Je suis pas à pied, ben il était là, je vous dare de mettre le mot je vais te faire un coup de pied, tu sais, au lieu de je pars à pied, puis de plus s'amuser finalement dans notre projet. Puis honnêtement, maintenant, tu sais, quand tu te sens vraiment sur ton X, on a vraiment beaucoup de plaisir à chanter autant ces textes-là que dans le côté très festif de Sugar Crush. Et nous, c'est vraiment ça qu'on voulait, tu sais, c'était vraiment un party de cuisine super festif. Puis Sugar Crush, pour nous, c'est pas comme un nom anglophone, c'est vraiment comme un état d'esprit. Quand t'as un Sugar Crush, j'en ai tout le temps, tu manges trop de bonbons, t'as trop de sucre, t'es comme super festif, t'es de bonne humeur, puis je trouve que ça représente vraiment comme le volet musical justement de notre projet. C'est ça, et puis je voyais un extrait de votre test de son tout à l'heure. Il y a vraiment toute cette belle énergie, c'est festif comme tu le mentionnes, c'est dynamique, ça donne envie de danser, de chanter avec vous. Est-ce que justement pour aussi évoluer dans sa carrière musicale, c'est difficile parfois de sortir de sa zone de confort et puis de laisser aller ces choses qu'on retient? Ça a été difficile, je pense, au départ, justement de laisser le côté parfaite, de petite fille parfaite, puis tout ça, mais le tournant musical nous a aidé aussi à s'en aller dans cette direction-là, puis de dire, on est nous-mêmes, on est des êtres humains, on est imparfaits, puis on a notre personnalité. Je pense que c'est ça qui ressort de notre nouveau projet. Même musicalement parlant, on a pris comme des masterclass aussi pour vraiment comme baigner dans la musique trad, parce que c'est quand même différent musicalement. Fait que ça a été comme un côté musical un petit peu plus difficile, mais ça a été vraiment agréable. C'était un défi pour nous d'aller dans ce milieu-là, mais c'était vraiment ça qu'on voulait faire. Fait que je me souviens des... Marcelet est vraiment comme la musicienne, elle a un bac en musique, puis elle était comme puis tu sais, il a fallu comme apprivoiser finalement la musique traditionnelle folklorique. Mais en même temps, j'ai apporté Joanie chez nous, ma grand-mère, tu sais, les parties du temps des fêtes. Joanie, elle n'avait jamais vécu ça avant. Puis là, j'ai dit, viens une fois chez nous, ma grand-mère agit, elle tape du pied, on chante des chansons jusqu'à 2-3 heures du matin, donc... je l'ai fait vivre. Ouais, c'était vraiment comme inné en elle. Puis c'est comme sa grand-mère de 94 ans qui gigue debout en chantant. Puis là, moi, j'étais vraiment à la base pour prendre la gigue. Puis j'étais super essoufflée. Puis sa grand-mère de 94 ans, elle a swingé ça dans la cabane. Mais c'était vraiment... Ça donne déjà envie d'y être. Ouais. Puis c'est marrant que vous évoquiez ça parce que c'est une des choses que je me demandais. Dans votre musique, il y a pas mal d'influences, mais il y a ce gros noyau et puis cette fusion de country et puis aussi de musique trad. Et puis ma question, c'était, est-ce que vous avez baigné dedans la musique trad? Toi, j'ai l'impression que oui, mais toi, Joanie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu aussi? Moi, je viens vraiment, je suis issue d'une famille de sportifs. Mon père, mon frère est dans le milieu du hockey. Moi, j'ai fait beaucoup de patinage artistique, puis je connaissais vraiment pas cette musique-là. Puis justement, quand je suis allée dans un party de famille chez Marc-Soleil, je me sentis tellement bien que tout le monde dansait, puis je chantais, puis tout le monde chantait mal, là. C'est pas grave. Tout le monde avait du plaisir. T'sais, tout le monde jouait de la guitare, des chansons à 2, 3, 4 accords, puis c'était parfait. Tout le monde jouait de l'harmonica, puis je trouvais que c'était tellement comme rassembleur, puis il y avait quelque chose de très, comme, je les sentais très unis, puis à ce moment-là, j'ai fait « wow, c'est donc ben le fun », tu sais, fait que je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait « moi, je veux faire de la musique comme ça, là, comme tout le monde est sur le party, puis c'est ça, la musique country, c'est rassembleur comme ça, ouais. » Puis c'est voulu aussi le mix des deux, parce qu'on écoutait aussi du country avant, puis, ben,
on a décidé de mixer les deux parce que c'est les deux styles qu'on aime vraiment beaucoup. Ouais. Et en même temps, il y a quelque chose, c'est ça, dans les deux styles, qui est toute une énergie, une chaleur, il y a un côté aussi naturel et terre à terre, qui je pense, ça doit être ça aussi qui fait que ça parle à du monde. Oui, ouais, on dit souvent que la musique country, c'est comme la musique du cœur, la musique qui parle des gens, tu sais, on évoque toujours que la musique country, c'est souvent des camionneurs à cœur brisé qui font de la route, alors c'est vraiment comme des chansons comme ça, puis qui sont vraies, fait que ça, c'est le côté country, je pense, qui amène ça, puis le côté festif qu'on voulait, c'est le traditionnel folklorique, ouais. Justement des sujets ou des émotions de vos chansons. J'ai cru entendre tout à l'heure que vous repreniez aussi quelques chansons du répertoire folklorique traditionnel. Est-ce que votre spectacle se nourrit principalement de ça ou est-ce qu'il y a aussi des compositions originales déjà? Oui, bien, on a des compositions originales. Puis, tu sais, nous, ce qu'on voulait vraiment dans notre spectacle, c'était un moment, comme on le disait tantôt, où les gens peuvent chanter avec nous. Fait qu'il y a beaucoup de chansons à répondre. On en fait. On a des chansons, par exemple, la chanson de Mon Petit, où les gens peuvent vraiment répondre avec nous. Il y a tellement des belles chansons ici de notre répertoire canadien, finalement, qui évoquent ça. Fait qu'on voulait faire comme un clin d'œil, justement, à. Parce que, tu sais, il en existe tellement moins des parties de famille où les gens se rassemblent aux petites heures du matin à chanter puis à taper du bout. Puis c'est ça qu'on voulait faire à chacun de nos spectacles. Et c'est pour ça qu'on voulait que les gens qui viennent à nos spectacles avaient, par exemple, la chanson Zigazon de la Bottine Souriante, qui fait partie du répertoire canadien. Tout le monde la connaît, puis on va juste comme
tout le monde ensemble la chanter en swingant puis en tapant du pied. Alors oui, il y a vraiment comme un mariage entre nos compositions puis des chansons qui sont reprises. Et parlez-moi aussi de l'équipe avec laquelle vous avez travaillé, tant pour la conception de votre EP qui est sorti aussi il y a quelques mois, que du spectacle. Avec qui vous vous êtes entourée? On a fait vraiment comme beaucoup de masterclass justement pour rencontrer des musiciens un petit peu partout. Puis on a eu comme un coup de cœur personnel avec André Papanicolaou qui a produit ce EP-là avec nous, qui joue avec Vincent Vallière, Patrice Michaud. Beaucoup d'artistes, ça, c'est exactement. Puis il nous a vraiment comme accompagnés. Puis lui, il était tellement dans le jus, là. Je me souviens d'avoir eu des discussions avec lui. Puis je l'appelais pour une question, mais tu sais, je savais pas, moi, s'il n'était pas disponible. Excuse-moi, là, j'embarque, je suis stand-by dans deux, mais il prenait le temps de me parler, tu sais, pour lui. J'étais comme, mais rappelle-moi après, c'était vraiment pas grave, là, mais il tenait vraiment comme à nous accompagner dans plein de moments de doute où on était plus certaines. Fait que je pense que nous autres, on s'unit justement toujours à des personnes de cœur qui croient en nous. Puis André croyait vraiment à ce virage-là, tu sais, c'est vraiment lui qui nous a proposé ce virage-là. Fait que lui nous a vraiment beaucoup aidés. Aussi, on a fait la première partie de Lisa Leblanc à un certain moment donné. Puis avec justement ces musiciens à ce spectacle-là, on a vraiment comme créé de la camaraderie. Alors c'est eux autres qui nous ont vraiment comme appuyés en studio. Et en spectacle, ben on joue avec des amis aussi qui sont tellement contentes de jouer avec des musiciens comme de notre région, de la région d'ici. Parce il y a une bonne chimie. Hein? Vraiment. Puis on a souvent joué dans notre autre projet avec des musiciens qui venaient de Montréal. Puis on faisait la route toutes les fins de semaine, on faisait vraiment beaucoup de routes. Puis là, c'est pas évident de trouver premièrement des musiciens qui sont bons, qui aiment ton style musical, puis qu'en plus que tu t'entends bien. Mais vraiment, c'est comme on les apprécie vraiment. Puis en plus, ils aiment le country trad. Là. C'est vraiment super le fun de faire des spectacles. Vous partagez tout ça et puis tout cet amour en fait de ce style musical. Ouais. Tu mentionnais tout à l'heure, oui c'est une musique festive, oui ça bouge, oui ça rend les gens joyeux, mais parfois on peut aussi avoir des moments de doute. Et tu mentionnais que votre producteur vous avait aussi un petit peu appuyé, et puis je l'ai lu dans des entrevues, à des moments donnés un peu plus difficiles. Comment justement, quand pour un artiste il y a une page blanche où il y a des moments de questionnement, comment on se rebousse, comment on se... qu'est-ce qui fait qu'on arrive à retrouver l'énergie pour se dire qu'il faut continuer? Ben justement, je pense qu'il est arrivé à ce moment-là dans notre projet qui a fait qu'il nous a, il a poussé nos limites. Ben, honnêtement, c'est tellement ça. Je me souviens de la fois qu'André est venu justement à Gatineau pour nous parler. Puis moi, je me suis dit, je suis journaliste culturelle dans la vie, puis je me suis dit, bon, ça y est, c'est fini. Je suis plus capable de faire de la musique, je suis plus capable d'écrire. J'arrivais juste pas à écrire, on n'arrivait juste pas à composer. On a loué un chalet, on est allé dans, on s'est dit peut-être parce qu'on est toujours au même endroit pour composer. Ça n'a pas marché. On est allé en voyage, ça a plus ou moins marché. Fait que c'était vraiment comme on est rentré dans un mur. Puis je pense que de juste refaire un spectacle avec, puis de sentir, puis juste de réaliser pourquoi tu le fais, c'est tellement agréable de faire un spectacle. Puis après ça, ça l'a débloqué. Puis on a fait un autre voyage, parce qu'on voulait, aussi on a composé notre album, c'était l'hiver, faisait moins 40 degrés. Fait que t'as bien beau être positif, là, mais il y a comme des limites finalement. Fait qu'on a pris nos affaires, on a emmené la mère de Mat-Soleil, on est allé dans le sud, parce qu'on voulait quelque chose de festif. Fait que même si j'essayais d'être de bonne humeur, faisait moins 42, je vais frette, puis je n'ai pas de bonne humeur. L'élément était contre vous. Oui, fait que là, on a composé une bonne partie justement de notre EP dans une saveur plus estivale, où on se sentait bien, puis on était sur le party. Ça a redonné le coup de boost qui était nécessaire. Puis quand ça a débloqué, ça a débloqué. Ouais, d'un seul coup. Même dans un one-way, il y a la place pour se parquer. Même dans un one-way, il y a la place pour se parquer. On est né dans un salon. Le gazon pas coupé, cache les fleurs, elle est passée. Le bain pas rénové, mais dans mon j'aime ça coller. Tire-la, tire-la. C'est pas une petite maison. Bye.
balcon est rendu gris, puis la façade est toute moisie. Pendant il fait pas chaud, sur une bonne raison, avec peau à peau. Tilam, Tilam, quand les scènes sont en Syrie chez nous, it's the place to be. Quand les scènes sont en Syrie chez nous, it's the place to be. On est assis devant la télé, vos meilleures expériences de spectacle? Qu'est-ce qui fait que pour vous, vous ressentez toute la chaleur du public? Ben moi, ce qui me vient comme en tête souvent rapidement, c'est quand on a fait le Festival des Montgolfières ici dans la région, ben comme je me souviens, j'ai assisté au Festival des Montgolfières toute ma jeunesse, puis je me souviens d'avoir vu Laurence Jalbert, puis tu sais, elle chantait du country, puis j'étais super petite, puis j'étais comme waouh, non mais extraordinaire, puis il y avait tellement de monde. Puis là, quand on l'a fait, je pense qu'il y a 2-3 ans, puis il y avait 25, 30 000 personnes, puis c'était chez moi, là. Je me souviens toute petite d'avoir vu ce festival-là. Ça allait comme vraiment comme... ça me remplit d'émotions. Puis je me souviens aussi quand on a fait la Place des Arts, c'était un vendredi soir, puis je me disais, qui va venir nous voir à la Place des Arts à Montréal, tu sais? Là, Marseille, elle vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, m'a dit, ben, mon père et ma mère vont venir. Puis j'étais comme, hey, ça rentre, ça rentre. Fait que là, on se disait, on se disait, tu sais, un vendredi soir à Montréal, tu sais, il y a tellement beaucoup d'artistes qui vont venir nous voir. Puis finalement, on a eu une salle comble deux fois. Fait que je pense que ça aussi, ça nous a comme rassurés. C'était juste ça comme donne une confiance. Belle tape dans le dos. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était comme deux moments marquants pour moi, en tout cas. Ouais. Mm-hmm. Toi? Les mêmes moments. Ou sinon, dans les festivals country, quand, quand tu rencontres les gens après le spectacle, les gens, quand ils t'aiment d'amour, puis ils sont vrais, sont sincères, sont là pour les bonnes raisons. Puis je pense que quand tu le fais pour les bonnes raisons aussi, ils le ressentent. Je suis tellement surprise que tu n'as pas notre dernier festival country, je pense, de cet été, où on rendait hommage à René Martel, qui avait un gros hommage à René Martel, comme la reine du country, évidemment. Et on reprend une de ses chansons sur notre EP, Un coin de ciel, et toute la planète, tout le bottin artistique a chanté cette chanson-là. Mais là, René Martel a demandé à ce qu'on la fasse. Là, on était comme super émus de ça. Puis là, imaginons la scène. On est en train de faire notre bout de spectacle avant. Et je vois René Martel dans la coulisse qui me dit « Bonjour! » Puis là, j'ai fini le spectacle, puis j'étais comme trop contente. Puis je suis vraiment maladroite. Et puis, j'ai voulu lui donner comme une grosse caresse, mais j'ai tombé de tout mon long. Puis, en bon français, j'ai scrappé le pied. Fait que là, j'ai scrappé le pied à René Martel, qui a 72 ans. Puis devant tout le... Tu sais, Paul Larèche était là, devant tout le monde, là. Puis, fait que j'étais comme sur le dos, puis les deux ont boité un peu. Marceline était tellement gênée, puis elle disait... Tout le monde va s'en rappeler, hein, au moins, oui, ce genre c'est de ça. Raison. C'est sûr qu'elle va se rappeler nous, puis Marceline, comme, je pense qu'elle m'appuie dans le fait que je sois maladroite, mais cette fois-là, elle était comme, pourquoi je fais de la musique avec elle? Pourquoi que je fais tant que je vive des moments comme ça de malaise? Ouais. C'était très drôle. Puis c'est ça, on a boité les deux pendant une bonne semaine. Ça pourrait peut-être faire naître une chanson, qui sait? Oui. Ah, peut-être.
En tout cas, je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite avec votre projet, ce spectacle qui s'en vient. Et puis surtout, ce que je retiens, c'est que si on a envie d'une ambiance de partie de cuisine, oui, on vient vous voir. Ouais, oui, c'est invité. Merci. 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 Jean-Marie, mon cousin, puis mon lit, qui a mis son bel habit avec ses petits souliers vernis. Le voilà, mais comment tu...